construit par une vie qui ne peut parler d'un menteur. Il me dit de marcher par la foi, non par la vue. L'oreille circoncise et le fermé. C'est alors moi je me suis vu instruit par une vie. C'est où est le Jésus?
De nous affermir chaque jour. Tu nous donnes la parole
Et cette parole, Seigneur, puisse réellement être le socle réellement de notre vie. Que cela soit réellement l'appui, cela soit réellement le fondement de notre foi. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour la parole, merci pour la lumière, merci pour le soutien, merci Seigneur pour le fait de pouvoir parfaire réellement, Seigneur, le don que tu accordes à chacun de nous, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions l'exercer de manière excellente. Que Dieu, réellement, que tu sois béni, que tu sois exalté, Seigneur, parce que nous savons que cela n'a pas dépendu de nous, Seigneur, mais cela réellement n'est que réellement ta grâce, toi qui as appelé, toi qui as réellement éclairé, toi qui nous as donné réellement ta nature, toi qui nous as accordé la foi, toi qui nous accorde la joie de pouvoir réellement te servir. Laisse l'Éternel notre Dieu, que nous puissions réellement chaque jour nous perfectionner, chaque jour réellement nous rendre de plus en plus glorieux. Car nous savons que c'est au devant de toi que nous nous transformons de gloire en gloire. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour la parole. Merci Seigneur pour le soutien. Merci Seigneur notre Dieu pour l'assistance spirituelle. Que tu sois béni, exalté. Toi qui ne cesses réellement, ô Dieu, de nous assister. Toi qui ne cesses de nous accorder réellement ta grâce. Toi qui ne cesses réellement de nous accompagner. Laisse que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié au-dessus de toutes choses, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Thank you.
Seigneur, tu vas réellement recommander réellement ta vie entre les mains du Seigneur. Car nous savons que lorsque le Seigneur nous fait grâce, c'est pour que nous puissions davantage vivre pour lui. C'est pour que nous puissions davantage nous consacrer à lui. Et nous savons que tout ce que nous pouvons dire, oui, des lèvres, merci. Mais si nous pouvons réellement faire quelque chose, ce n'est que nous donner à lui, nous consacrer à lui, consacrer réellement nos corps comme un sacrifice de mon odeur, afin que nous soyons un culte en l'honneur de notre Dieu, que notre vie soit pour la gloire de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur fasse de nous des vases d'honneur, des vases d'or et d'argent dans sa maison. Que nous soyons des instruments qui puissent réellement élever et glorifier le nom de notre Seigneur. Que nous soyons une lumière dans ce monde de ténèbres. Nous allons prier afin que le Seigneur nous fasse grâce. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Et nous savons que les mots ne sont point suffisants. Voilà pourquoi éternel notre Dieu, nous sommes là en train de pouvoir réellement nous consacrer afin de pouvoir nous donner pour que notre vie soit réellement une vie, Seigneur, qui reflète ta parole. Que notre vie soit une vie qui puisse refléter la lumière. Oui, que notre vie soit réellement, Seigneur, un seul dans ce monde. Oui, Seigneur, notre Dieu, laisse que nous puissions véritablement honorer ton nom, Seigneur. Laisse que nous puissions véritablement être des vases d'honneur dans ta maison, les vases d'argent et d'or. Oui, que nous soyons des instruments par excellence. Oui, Seigneur, notre Dieu, le souffle de vie que nous recevons, nous le recevons pour pouvoir vivre pour toi, Seigneur. Que chacun de nous puisse vivre pour toi, Seigneur. Que chacun de nous puisse réellement apporter ta vie pour toi. Que chacun de nous puisse se donner à toi, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Laisse que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom seul soit exalté au-dessus de toutes choses. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous savons que tu es le véritable Dieu, que tu es celui qui vient règne dans le siècle du siècle. Sois béni et exalté parce que nous croyons éternel notre Dieu. Que si nous sommes morts et que nous ressuscitons, c'est pour que nous puissions vivre à la gloire de ton nom, Jésus. Béni sois-tu, Père très saint. Béni sois-tu, Dieu, qui est réellement au-dessus de tout. Merci pour la vie, merci Seigneur pour la santé, et que cela soit la gloire de ton nom Jésus, car nous sommes une lumière, nous sommes le sel, nous sommes véritablement Seigneur, des modèles dans ce monde de ténèbres, et dans ce monde pervers, nous prions au nom puissant de glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Que tu ne manques de rien, qu'il soit le bon berger qui te conduit vers le plein pâturage. Nous prions au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, nous nous recommandons entre tes saintes mains, car nous savons une chose, que c'est toi qui es le garant de la vie de tout un chacun de nous. Tant que nous vivons sous le soleil, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu puisses nous accorder la nourriture, que tu puisses nous accorder les vêtements, que tu puisses nous accorder réellement, Seigneur, notre Dieu, en toi, que tu puisses nous assister dans tout ce que nous faisons, que tu puisses réellement nous accompagner, que tu puisses nous bénir afin que nous soyons réellement dans la joie de pouvoir appartenir à ta famille, que nous soyons dans la joie de pouvoir réellement te servir, que nous nous manquions de rien, Seigneur, que nous soyons réellement rassurés par qui est le bon berger, Seigneur, à qui tu
ton nom, c'est toi qui as les solutions, c'est toi qui appelles ma bénédiction, c'est toi qui as l'élément éternel en futur. Tout ce qui est réellement nécessaire dans la vie de tout un chacun de nous. Accorde-nous pour que nous soyons dans la joie parfaite. Accorde-nous pour que nous puissions, Seigneur, nous focaliser pour ton royaume. Laisse que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté au-dessus de toutes choses. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous te prions parce que nous savons que tu es Dieu, mon Dieu Seigneur, toi qui es le règne dans les cieux et les cieux. Merci. Oui, j'ai compris que tu es grand, que tu es au-dessus de tous les dieux. Oui, j'ai compris que tu es grand. Tu es grand, 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 tu es grand
Réellement remettre entre les mains du Seigneur cette année nouvelle que tu vas commencer avec l'Éternel ton Dieu. Puisse réellement être Alpha et puisse réellement commencer avec toi, Emmanuel, marcher avec toi et pouvoir être Oméga et terminer avec toi. Tu vas recommander car nous savons que tout ce que nous pouvons faire, c'est recommander le temps au maître du temps afin que ce temps soit favorable pour chacun de nous. Tu vas prier pour que réellement le Seigneur puisse t'accorder les bénédictions spirituelles et matérielles, que le Seigneur puisse te permettre de pouvoir avancer dans tout ce que tu fais, que tu puisses véritablement avancer réellement dans ta vie spirituelle, que le Seigneur puisse permettre à ce que tu puisses prospérer et que ton âme puisse prospérer. Nous prions au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons l'année qui va commencer entre tes saintes mains, comme nous avons l'habitude de te recommander nos jours. Nous recommandons aussi l'année, car nous savons que c'est toi qui es le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Et nous savons que tu es Emmanuel. Laisse que tu puisses commencer avec chacun de nous et que tu puisses réellement accompagner chacun de nous pour que nous puissions véritablement, Seigneur, recevoir de ta part les bénédictions d'en haut et les bénédictions d'en bas. Que nous puissions prospérer, Seigneur, au travers réellement notre vie spirituelle et que nous puissions prospérer sur le plan familial, sur le plan économique, sur le plan social, Seigneur. Que tu sois véritablement, Seigneur, notre Dieu. C'est lui qui nous permet de pouvoir avancer, Seigneur. Car nous croyons, Éternel, notre Dieu, que toi, lorsque tu accompagnes chacun de nous, c'est pour pouvoir apporter la victoire. C'est pour pouvoir apporter la réussite, c'est pour pouvoir apporter réellement le progrès, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons que tout soit recommandé entre tes saintes mains, Seigneur. Que tout ce que nous allons faire, Seigneur, que tu sois réellement celui qui va nous soutenir afin de pouvoir réellement, ô Dieu, nous accorder le salut, la victoire, le progrès, la réussite pour la gloire de ton Seigneur Jésus. Laisse qu'Éternel notre Dieu, que tu sois réellement la main qui bénit, que tu sois la main qui soutient pour la gloire de ton saint nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Tu vas prier et pouvoir réellement demander à Dieu de pouvoir te garder et te protéger. Et lorsque nous savons que le Seigneur nous donne la vie, c'est pour que nous puissions véritablement consacrer notre vie à lui. Que le Seigneur puisse être le bouclier de tout un chacun. Que le Seigneur puisse réellement anéantir les traits enflammés de l'ennemi et que toute arme qui s'élèvera contre nous soit nulle et sans effet. Nous prions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Ô Dieu, nous recommandons, Seigneur, chacun de nous entre tes saintes mains, sachant, Éternel notre Dieu, que comme nous te servons, l'ennemi n'est pas content. Voilà pourquoi il ne cesse réellement d'attaquer chacun de nous. Il ne cesse de pouvoir réellement, Éternel notre Dieu, tirer ses flèches contre tes enfants. Nous prions afin qu'Éternel, que ta main soit une main protectrice, que tu sois le bouclier, afin d'anéantir toute arme qui est forgée contre nous, afin d'anéantir les traits enflammés de l'ennemi, afin de pouvoir accorder à chacun la victoire sur le monde démoniaque, sur le monde réellement des sorciers, sur le monde réellement des ténèbres, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, marcher sur le scorpion et le serpent. Que nous puissions véritablement, Éternel notre Dieu, anéantir toutes les manigances de l'ennemi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que tu sois réellement celui qui va planter ta bannière afin que nous puissions manifester la victoire du nom de Golgotha
au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, que nous avons ainsi prié, parce que tu es Dieu, tu es Seigneur, toi qui viens règne dans les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ.
Yeah.
Avec toi, Seigneur. Et nous savons que lorsque le temps se renouvelle, tu renouvelles ta grâce, tu renouvelles réellement tes compassions, tu renouvelles ta miséricorde, car tu sais que nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection. Nous courons, laissant derrière nous nos imperfections, allant vers toi qui es parfait. Et tu nous donnes le temps, et nous savons que le temps est pour nous, pour notre édification. Laisse qu'éternel notre Dieu, que le temps qui nous est donné soit réellement la gloire de ton nom. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus. Amen.